Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau pour le mois de février 2024. Que vous réserve ce mois de février 2024? Alors je vous rappelle que c'est un tirage généraliste, il peut donc vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à ne prendre que ce qui résonne à vous dans ce tirage. Il est divisé en deux parties. La partie, je dirais, générale, on va retrouver le boulot, la famille, les amis, le déménagement, les ventes, enfin tout ce qui pourrait être lié même au financier, pourquoi pas. Et dans la seconde partie, le sentimental. Alors, encore une fois, je vous rappelle, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et bien entendu, pour compléter cet audio, je vous invite à aller écouter les autres audios concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire, afin d'avoir un maximum d'informations et de pouvoir effectivement voir un petit peu ce que ce mois de février va vous apporter. Sans plus attendre, nous allons voir tout de suite ce que l'on nous dit pour vous les Verseaux en ce mois de février. Alors, ce mois de février commence comment? Eh bien, on parle de choix. Question de choix à faire, peut-être des décisions à prendre, peut-être du changement à venir, me dit-on. C'est vrai que c'est un mois de février où vous allez être, alors je ne vais pas dire en pleine tempête, mais un petit peu comme si vous alliez être secoué, mais dans le bon sens du terme. Je m'explique, ça va vous permettre de prendre une place que vous n'aviez pas peut-être pris jusque-là. Un petit peu comme si vous alliez enfin pouvoir vous prioriser. D'ailleurs, on voit bien avec la carte de la dispute, à partir du moment où vous ne vous passerez plus en second plan, mais en premier plan, certaines personnes ne vont pas comprendre le pourquoi de votre revirement et vous allez peut-être pouvoir, entre guillemets, prendre un rôle qui ne vous est pas d'habitude, on va dire, mis sur votre dos, mais ce côté où on va vous dire, bah, t'es pas gentil, t'es pas gentil, mais pourquoi? Et je comprends pas. C'est juste que vous allez dire non. Et vous avez bien raison, ami Verseau, de dire non. Il est temps de penser à vous. Avec, je dirais, la carte de la femme, on me parle d'intuition. On me dit de suivre votre intuition, de ressentir votre émotionnel. Hein, c'est vraiment ce côté-là. Et de vous épanouir avec la carte de la jeunesse. On vous le dit bien, ami Verseau, c'est un mois où en fait, on va vous demander de vous prioriser, de vous concentrer, de vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? De penser à vous, en fait, tout bonnement à vous. Je pense que vous êtes oublié, en fait, et aujourd'hui, on me dit qu'il faut vraiment vous prioriser. Sinon, si vous ne le faites pas, eh bien, attendez-vous à de l'échec dans votre vie. Vous souhaitez changer de boulot, si vous ne vous priorisez pas, vous ne trouverez pas de boulot. Si effectivement vous avez envie de rencontrer quelqu'un, même si on est dans le domaine général, bah, malheureusement vous ne serez pas en état. Donc je vous invite vraiment, vraiment à faire ce petit retour sur vous, je dirais, pour effectivement guérir. On me dit également qu'il faut vous éloigner de certaines personnes autour de vous qui ne sont pas des bonnes personnes et qui sont énergivores et qui ont une tendance à vous vampiriser. Je pense que vous avez un projet, les Verseaux, déménagement, changer de boulot ou autre. On parle de retard. Donc sur ce mois de février, ce que vous pensiez pouvoir faire, bah, ça sera reporté. Sachez, c'est reporté, c'est pas annulé. L'important, c'est juste reporté. Beaucoup de négociations en cours, hein, des pourparlers, des demandes, des choses que vous allez devoir demander, me dit-on. On me parle aussi de la possibilité de créer une forme d'association. J'ai vraiment le mot association. Peut-être un regroupement, peut-être aller vous associer avec quelqu'un. Hein, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Une forme de duo. Hein, c'est comme ça que je le vois, une forme de duo. Ah, on me dit de vraiment faire attention sur ce mois de février, les Verseaux. Prenez soin de votre santé. Attention à tout ce qui va être accident, si vous faites du ski par exemple, ou si vous courez, ou si par exemple vous faites un sport quelconque. Attention aux foulures, attention aux cassures. En fait, si vous voulez vous donner trop, en pensant que c'est bon pour la santé, ce que j'entends, il n'y a aucun souci là-dessus, mais vous en faites trop.
faut aussi avoir des temps de repos, il ne faut pas se culpabiliser dans ces temps de repos. Ça, c'est important. Ah, mesdames, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous souhaitez tomber enceinte, c'est un bon mois pour tomber enceinte. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit hein, de prendre soin de vous. Hein. Tomber enceinte, c'est quand même plutôt pas mal. Donc faites attention à vous. Peut-être une procédure juridique que vous allez devoir entamer, soit par rapport à votre voisin, soit par rapport à votre employeur. C'est un petit peu. Ou soit pourquoi pas par rapport à un divorce. Procès qui d'ailleurs, entre guillemets, cachera beaucoup de choses. Le sentiment de trahison, hein. Il faudra d'ailleurs revenir un petit peu sur certains faits. En tous les cas, c'est comme ça que je l'aurais tendance à le dire. Mais au final, hein, on gagne hein, ce procès. Donc allez-y, foncez, hein. Vous êtes en droit de réclamer votre dû, me dit-on. Ah, Verseau, Verseau, vous êtes trop gentil en fait. C'est ça le truc. Ah oui, vous voyez, on n'arrête pas de me dire attention à votre santé. Hein. Petit mot entre guillemets, c'est important, MAUX. Beaucoup de jalousie autour de vous. Beaucoup. Bah ouais, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, donc je le sens bien. Et quelques difficultés. Moi, ce mois de février, Verseau, je vous le redis parce que c'est vraiment ce qu'on me montre dans les cartes au niveau général. Il n'y a pas de souci. Je m'explique. Il n'y a pas de souci financier. Je vois pas de grosses débandades. Mais moi, personnellement, c'est tant que mes guides me disent bien, hein, tant que vous ne prendrez pas soin de vous. Tant que vous n'allez pas vous prioriser, vous allez avoir plein de petites choses comme ça qui vont venir dans votre vie, qui vont vous déranger, qui ne vont pas, vous comprendrez pas, hein, mais ce seront des petits rappels à l'ordre de la part de l'univers. Moi, ce que je vous invite, c'est vraiment de prendre soin de vous, d'être plus à l'écoute pour vous, et ça, c'est hyper important, et d'arrêter de toujours penser à Pierre-Paul Jacques. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Allez, on va voir si dans le domaine sentimental, c'est mieux. On va voir ça de suite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? Bah, on vous dit, alors pour ceux et celles qui sont avec une sorte de triangulaire ou un petit ami ou une petite amie, je dirais, que vous avez depuis peu, cette personne, à mon avis, elle vous trouve toujours des excuses. Mais là, je peux pas. Alors, je pense souvent triangulaire. Oui, mais tu comprends. Là, où il est pas bien, où elle est pas bien, c'est pas le bon timing. Enfin, il y a toujours des excuses. Il va falloir que vous disiez stop. Faut arrêter de prendre des vessies pour des lanternes et à un moment donné, stop. Quand on veut, on peut. Qu'est-ce que l'on me dit? Attention, amis Verseau, pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez une forme d'addiction. Alors moi, je parle plutôt de comment, d'addiction à l'amour, c'est-à-dire d'être vraiment dans ce besoin d'avoir absolument quelqu'un qui pourrait fuir, en fait, qui pourrait faire fuir les personnes que vous pourriez attirer. Donc attention à la dépendance affective. Voilà, cherchez le mot depuis tout à l'heure, dépendance affective. Alors, pour certains d'entre vous, vous venez de faire une jolie rencontre. L'histoire est possible. Alors, allez-y, foncez. Pour ceux qui sont célibataires et qui sont dans l'attente, il y a une histoire qui est possible. Ouvrez grand les yeux sur ce mois de février. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, pour les personnes qui sont en, je dirais, peut-être dans une relation où vous ne discutez pas, où vous ne prenez pas de vos nouvelles pour X ou Y raison, ben sachez que vous lui manquez. Et que cette personne va revenir vers vous. C'est une personne du passé. Peut-être avez-vous plus de nouvelles depuis un petit moment. Ben cette personne, elle va revenir, elle va prendre de vos nouvelles. Ouh, c'est plutôt sympa en amour, les Verseaux. C'est cool. En tous les cas, on vous demande de vivre l'instant présent. Hein, ça, c'est important de penser à vous. Les personnes que vous allez rencontrer, les personnes qui vont revenir, c'est quand même des personnes immatures. C'est des personnes sur lesquelles vous savez plus trop sur quel pied danser. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Et on voit bien que ça peut vous briser le cœur. Donc nous, ce qu'on vous invite, encore une fois, je vais redire le mot, priorisez-vous, hein, parce que même si l'attirance est là, même si tout est là, même si vous savez que c'est la bonne personne parce qu'il y a un coup de cœur, eh bien, il y a un moment donné, il faut savoir dire, moi, je suis le ou la plus importante. Et c'est le message clair que j'ai pour vous. Ce mois de février, en fait, ami Verseau, c'est je pense à moi. Je pense à moi, je m'occupe des moi, j'arrête de penser aux autres. J'arrête de faire les choses en fonction des autres, je vais faire les choses en fonction de moi. C'est votre petite leçon du mois de février pour avoir de meilleurs mois et surtout une belle année 2024. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.